Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé comme moi. Rien que ça. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les matins avec cette petite quelques minutes d'exercice avec la musique et après on va parler des choses sérieuses. Je me suis un petit peu déshabillée plus, c'est pas pour me montrer, c'est surtout pour montrer le résultat avec si peu de travail. 5 minutes de par jour, pas plus. C'est surtout l'alimentation. Parce que cette nuit, en plus, je n'ai pas fermé l'œil, mais pas une minute, parce que des voisins, ils ont fait la fête. J'ai plus d'énergie que d'habitude. C'est incroyable. Et c'est grâce à l'alimentation crue. Alors, regarde, il suffit de voir mes premières vidéos. C'était flasque de partout, ça débordait de partout. Là, regardez, avec si peu. Eh bien, c'est moi, j'attribue ça à l'alimentation. Alors, la musique d'abord. Coucou Minou, coucou Minou. Ah non, il n'y a rien à faire, il est habitué comme ça. J'aimerais lâcher les mains, mais j'arrive pas. Dès que je lâche, bye. Voilà, ça commence, vous voyez. Ça va venir. Alors, le minimum, comme je dis toujours, c'est vraiment le minimum. Le matin, bon, bien sûr, il va falloir. Pour le dos, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus efficace, par exemple, de se redresser, bien redresser, mettre la tête à haut et de faire. Voilà. J'ai l'impression que ça tire beaucoup plus le dos que mes ustensiles que j'utilise. Et après, à l'envers. Ah, voilà. Alors, bien sûr,
Là, par exemple, c'est très important pour les poignées d'amour. Moi, c'est ça qui m'a enlevé. En fait, c'est la nourriture avant tout, mais là aussi. Et puis après, non. Vous voyez, je suis obligée de réfléchir encore. Par exemple, là. Ou simplement jusque-là. Et tous les matins, comme d'habitude, les doigts. Voilà, dégourdir. L'abdominaux, tirer, pousser. Et puis c'est le cou. Et puis après, bien sûr, on ajoute ceux qui trouvent que c'est le plus urgent. Parfois, c'est les cuisses, parfois c'est les fesses, parfois c'est les seins. Ça dépend. Chez moi, c'est toujours le dos. Alors, par exemple, là, c'est très bien aussi pour le dos. Mais bon, j'arrive pas encore à faire correctement. Le dos, il doit rester collé. Voilà. Alors, je fais toujours la même chose pour le dos. Mais le plus haut possible, plus vite, plus haut, chaque jour plus haut. Alors, c'est pour l'équilibre. Bon, déjà, tout droit, et ensuite, ça va déjà mieux. Premier jour, c'était pas évident. C'est celle-là qui est encore. Oh, ça demande énormément d'efforts. Ah. C'est presque à la limite de l'impossible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, c'est pour les biceps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ah là, il ne va pas. 4, voilà, déjà c'est fini. Oh, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va essayer de sauter à la corde. J'ai dit toujours essayer. Je ne suis jamais sûre. On va voir. Stop. Oh. Et ben voilà, chaque jour un petit peu plus. Et il ne faut pas trop demander, comme j'ai dit. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Être actif toute la journée, d'ailleurs, c'est ça la vie. Il faut être en mouvement, tout le temps en mouvement. C'est beaucoup plus important que rester assis, regarder la télé toute la semaine, une fois par semaine. Allez, vite, jogging, vite, aller à la piscine, et salle de gym, etc. et tout. Moi, je trouve que chez moi, le résultat est formidable. Alors après, bien sûr, ça c'est pour l'équilibre et anti-arthrose. Moi, j'appelle ça anti-arthrose parce que j'avais très mal au genou et j'ai plus mal.
Ah, vous faites 5-6 fois, 10 fois, autant de fois que vous voulez. Voilà, et puis pour l'équilibre, on va voir. Ah, l'arbre droit. Non. Oh, c'est tremblote. Ah, c'est tremblote. Oui, alors je vous ai dit qu'on va parler des choses sérieuses, très intéressantes. Moi, je me documente tous les jours, déjà pour sauvegarder ces quelques neurones que j'ai encore, et puis pour ajouter quelques circuits, nouveaux circuits neuronaux. Donc, c'est important. Et chaque fois, je découvre quelque chose d'intéressant. Et j'aime bien partager. Parce que ça, je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Au sujet des mensonges. Alors, la neuroscience, il s'intéresse beaucoup aux mensonges. C'était pas suffisamment étudié, on connaît pas encore bien. La preuve détecteur de mensonges, c'est pas fiable à 100%. Et pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de mentir comme ils respirent, sans état d'âme, et puis sans aucune émotion. Alors qu'il y en a d'autres qui sont pas coupables, mais par contre ils ont peur qu'on risque de les accuser. Et là, plein d'émotions négatives. Alors ils ont essayé d'aller direct dans le cerveau pour chercher la vérité. Et ils ont découvert beaucoup de choses intéressantes, notamment que le plus petit mensonge, la plus petite mensonge, même la toute petite innocent, il laisse un impact sur notre corps et sur notre mental. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est un mensonge? Ben, c'est tout simplement, on pense une chose et on dit autre chose. En langage populaire, on appelle ça mentir. En langage, soutenu, c'est faire preuve de diplomatie. Or, le cerveau, il n'aime pas la diplomatie. C'est pas parce qu'il est moraliste, il veut la vérité, mais c'est pas parce qu'il est moraliste, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à gérer la vérité que le mensonge. La vérité, ça ne demande pas grand-chose. Simplement, on observe, on analyse et on pense et on traduit ça avec les mots. Donc, pas beaucoup d'énergie. Par contre, mentir, ça demande vraiment, c'est quelque chose, une complexe d'intelligence très très haut niveau. Parce que le menteur, d'abord, il observe, il analyse, après il anticipe et il commence à dire comment je vais transformer cette réalité en une autre réalité qui soit aussi crédible. Donc, il est créateur quelque part. Et toutes les ondes de cerveau, ils sont mobilisés à cet effet et toute l'énergie. Voilà pourquoi le cerveau, il n'aime pas gérer les mensonges. Il ne va pas vous empêcher de mentir. Ça, il ne peut pas. Mais par contre, il peut se venger. Et 10 ans, 20 ans après, il va se venger en vous provoquant une maladie que vous ne savez même pas d'où ça vient. Alors, vous imaginez les hommes politiques qu'en demi-heure de discours, ils prononcent centaines de mensonges. Ben, ils ont intérêt de se prémunir d'un bon mutuel de santé pour l'avenir, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va leur arriver. En fait, le cerveau, il tolère le mensonge uniquement lorsqu'on est en danger de mort. Même les animaux, ils savent mentir. La preuve que lorsqu'ils sont en danger pour échapper à un prédateur, ils se gonflent pour montrer qu'il est deux fois plus fort qu'il est, ou bien de montrer des signes de venimosité, qu'il est venimeux. Bref, ils savent très bien mentir. Pourquoi? Justement pour échapper à la mort. Et nous, c'est pareil. Donc, toute cette énergie qu'on envoie, il revient toujours à la source. Je vous souhaite très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.